Bonjour, mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat de franchiseur et aujourd'hui je voudrais vous indiquer comment devenir franchiseur. Si vous êtes un commerçant et que vous avez réussi dans votre exploitation, vous exploitez au moins un point de vente et vous avez constaté des bénéfices. Vous êtes un industriel et vous souhaitez vous créer des débouchés pour vos produits en les diffusant au sein d'un réseau sous votre enseigne, à votre marque. Eh bien, la franchise peut vous offrir une opportunité de développement extrêmement intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que la franchise ? La franchise, c'est un contrat par lequel le franchiseur, qui a testé avec succès un concept commercial, va mettre à disposition du franchisé un savoir-faire, une marque et une assistance continue pour permettre au franchisé de réitérer son propre succès. Donc, si vous avez prouvé le succès, vous pouvez, a priori, devenir franchiseur. Pourquoi devient-on franchiseur ? Pour se développer rapidement sur un marché national et pour bénéficier de tous les leviers que la franchise peut vous offrir. Quels sont ces leviers ? Un levier d'abord financier. Dans la franchise, vous investissez dans des outils initiaux, manuel opératoire, contrat, conceptualisation du concept, mais pas dans chaque point de vente. Ce sont donc les franchisés qui vont financer chacun des points de vente sous votre enseigne. Il y a là un effet de levier financier important et le besoin en capital est significativement plus faible que si vous développiez des succursales. Et ensuite, un effet de levier marketing. Votre marque sera rapidement présente sur tout le territoire national à travers le réseau des points de vente. C'est donc un moyen important et approprié pour développer rapidement une notoriété. En dernier lieu, il y a un effet de levier humain, c'est-à-dire que les franchisés, et cela a été démontré par des études, sont plus efficaces que des salariés et apportent généralement plus rapidement des résultats et une valeur à l'entreprise. Alors, quelle est la démarche pour devenir franchiseur ? On a bien compris l'intérêt. La démarche pour devenir franchiseur, eh bien, elle est normée. Le futur franchiseur doit être accompagné très clairement par des conseils en organisation, experts comptables et des avocats. Il doit suivre les démarches suivantes. Premièrement, tester son savoir-faire. L'éprouver, le valider dans un ou plusieurs pilotes. Analyser le compte d'exploitation, la rentabilité, pour construire les différents flux financiers qui vont lui permettre de financer l'entreprise franchiseur. Droit d'entrée, redevances, etc. Il doit ensuite faire son business plan, rédiger un manuel opératoire, un DIP, un contrat de franchise, avant de se lancer. Il devra nécessairement avoir protégé sa marque et son concept commercial. Donc je crois qu'il ne faut pas manquer l'opportunité de développement que peut offrir la franchise pour des commerçants ou des industriels qui ont déjà réussi. Gouache Avocat peut vous accompagner pour devenir franchiseur. Le cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des commerçants, des industriels qui ont réussi et qui souhaitent devenir franchiseur. Cette démarche étant normée et très spécifique, il est clair qu'il est déterminant de votre futur succès d'être accompagné par des professionnels de la franchise dans cette démarche.